Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui vendredi pour le résultat de vos votes pour les défis donc de mars à juin, pour les 8 défis que j'ai réalisés et qu'on m'a donné. Alors j'ai répertorié tous vos votes. Alors à la base vous deviez voter que pour une création, sauf que plusieurs d'entre vous ont voté pour deux, trois, voire même peut-être quatre, je crois. Donc vous avez voté pour plusieurs créations. J'ai décidé de prendre en compte tous vos votes. Voilà, je peux essayer de prendre en compte tous vos votes, j'ai pas de raison particulière. Voilà, vous avez voté, j'ai pris en compte. Donc, du coup, j'ai noté ici, donc on a récolté 10 votes pour le défi numéro 5, qui était de faire une création avec de la dentelle, donnée par Kitty Créatine. Ensuite, nous avons 4 votes pour le défi numéro 7, pardon, qui a été donné par Didi Créa et qui était de faire une création avec le tube de dentifrice. On a eu 3 votes pour la création numéro 1 de Marie84, donc faire un gros tag papillon rose craft avec de la dentelle et pas de noir. Et pour le défi numéro 6 de Scrap de Sylvie, donc de faire une carte 15-15 avec du chrome, de l'orange et du noir. Ensuite, on a donc 2 votes pour la création numéro 3 de Natacha Scrap, donc faire 3 ATC avec un fond maison et sans tamponnage. On a eu un vote pour la création numéro 4 de Les Créas de Sissi, donc faire une carte avec son ATC avec des lapins. Et aussi le défi numéro 8 toujours de Kitty Créatine, donc avec faire une créa avec du tissu. Et ensuite, on a eu 0 vote pour le défi numéro 2 qui a été donné par GG, donc de faire une création et de vous faire aimer le verre bouteille, mais sans mettre de verre, VE2RE, bouteille. Donc, du coup, j'ai bien compris, on me l'avait aussi dit dans les commentaires, le défi numéro 2, donc vous faire aimer le verre bouteille, je le referai et j'essaierai de vous faire aimer le verre bouteille parce que j'ai pas réussi à vous le faire aimer la première fois. Donc, on a une grande gagnante, ça va être Kitty Créatine, donc qui a reçu 10 votes donc pour la création pour celle-ci. Donc, vous avez été 10 personnes à voter pour cette création. Donc bravo Kitty, bravo à moi, parce que j'ai réussi à faire le défi que vous avez aimé. Voilà, donc vous avez voté soit pour la réalisation ou soit pour l'originalité de l'intitulé du défi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé tous vos votes. Donc bravo Kitty, donc alors Kitty, tu m'envoies un mail qui est indiqué dans la barre d'infos avec tes coordonnées, bien entendu, postaux. Oui, postaux. Et tu m'envoies et tu me mets un petit message en me disant ce que tu n'aimerais pas du tout recevoir, ce que tu bannis de ton scrap, de tes créations, de ce que tu veux recevoir. Par exemple, si tu n'aimes pas du tout les têtes de mort, tu me dis pas de tête de mort. Bon, je pense pas que je t'en mettrai parce que je vais essayer de rester dans le thème du défi que tu m'as donné. Donc voilà. Mais si tu veux absolument pas recevoir quelque chose que tu n'aimes pas, tu me le dis comme ça. Voilà. Donc tu m'envoies ça. Donc moi, je t'envoie ce mois-ci. La création avec des scrabidules. Je dois aussi envoyer, petite parenthèse, les deux colis de Maya, enfin de Maria, Maya 0776 et de Kinou 41 pour mon concours que j'ai pas pu envoyer avant le mois de février et après confinement, blablabla, Mondial Relay ne marchait pas. Et aussi j'ai la création, enfin les lots, pardon, de Ariel et de les créas de Sissi que je dois vous envoyer aussi. GG, je vais lui faire un envoi, mais hors rapport avec les défis. Kitty, bon, tu auras déjà, même si tu as fait la création. Bah, Kitty, oui, voilà. Je t'enverrai aussi la création tissu, parce que du coup, c'est aussi ton défi. Je t'enverrai aussi la carte tissu. En fait, la carte servira de carte. Voilà. Et puis, la création que tu pourras exposer avec des scrapbidules. Donc, ça sera pour Kitty. Voilà, on est bon dans ce que je dis là. Les créas de Sissi. Les créas de Sissi, qu'est-ce que tu m'avais donné? L'ATC. Et la carte avec des lapins, donc ça sera envoyé avec le lot concours que tu vas recevoir ce mois-ci. Natacha, les 3 ATS. Donc Natacha, je t'enverrai enfin 2 ATS, j'en garderai une. Voilà, donc ça sera un peu plus tard, je pense, le mois prochain, clairement. Voilà, et ensuite on a donc Didi Créa qui est ici avec le tube de dentifrice, Marie84 et les scraps de Sylvie. Alors, j'avais pensé à aussi vous envoyer la création que j'avais faite avec des scrabidules. Mais j'ai un petit problème, mais on va dire personnel, c'est-à-dire que je ne pense pas que
que la création que j'ai faite avec le tube de dentifrice mérite d'être envoyée. Je ne pense pas qu'elle mérite d'être envoyée parce que elle n'est pas totalement... Comment dire? J'ai pas envie de dire que les autres créations sont parfaites. Mais bon, c'est collé à la glu, ça aurait pu être collé avec autre chose. Bon, elle n'est pas... Je suis pas sûre que ça vaille le coup d'être envoyée. Voilà. Donc, je vais envoyer à Marie84 et à Scrap de Sylvie les créations que j'ai pu faire avec vos défis, avec un petit peu de Scrap Bidule. Voilà. Donc ça, par contre, ça sera le mois prochain aussi, comme avec Natacha, ça sera le mois prochain, parce que j'ai 4 envois, 5 envois à faire ce mois-ci, de Mondial Relais, enfin bref, voilà. Et Didi Créa, bon, je te mettrai des Scrap Bidules, mais je ne suis pas certaine, je suis à 50% sûre de ne pas te mettre la création que j'ai faite pour ce défi que tu m'as donné. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie d'envoyer quelque chose dont je ne suis pas à 100% fière. Voilà. Donc, je vais encore réfléchir pour toi, Didi. Didi, tu peux toujours me dire en commentaire si tu souhaites quand même recevoir la création que j'ai faite pour ton défi. Mais bon, je ne serai pas contente de te l'envoyer, on va dire, parce qu'elle n'est pas totalement à 100% comme j'aurais voulu que ça soit. Donc, tu me dis ça en commentaire au pire des cas. Et puis, je vous félicite tous pour et je vous remercie de m'avoir donné tous ces défis. Voilà. Merci d'avoir voté aussi en commentaire, d'avoir été là pour les votes, pour m'avoir donné ces défis. Félicitations à Kitty. Et puis nous, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et bisous!